On nous dit dans le chat que ça va être Cauchemar en cuisine et pas Restaurant Tycoon 2. Bon bah écoute. Alors là, n'importe quoi. C'est comme les gens qui disent qu'on va avoir des accidents sur Euro Truck, n'importe quoi. MDR, alors là, franchement. Ça sent bizarre là. Sans la piste de chat ou je me trompe? Ah, c'est possible. Je vous l'avais dit, les gars, les filles, avec cette petite musique derrière qui va parfaitement avec l'ambiance du jour. Je vous l'avais dit, j'avais fait un sondage sur YouTube. Qui voulait qu'on fasse du Roblox? Vous avez été une majorité écrasante. Mon dieu, mais cette musique, mais j'en chiale, mon vieux. Mais éteignez-moi ça, comment qu'on fait, quoi? On peut pas la couper, cette musique. Ça y est, mon gars. Celle-là, elle est belle. Tu la vois? Ouais. Eh, les mecs, une pizza. Bah, regarde. Eh, les mecs, ils arrivent déjà au restaurant, ils commencent à commander alors qu'on est en travaux. Au fourneau, le fils. Je pourrais avoir une avance. T'as déjà pas encore commencé à travailler, tu veux déjà une avance? Et qu'est-ce qu'ils veulent, les mecs, là? Je cherche de l'emploi aussi. Mais attendez, les mecs, faut déjà que j'apprenne à travailler, là. Allez, c'est parti, ça chauffe. Deux sushis du tigre. J'ai ouvert le restaurant. Ah, mais regarde, là. Hein, oui. Ça y est, le fourneau. Vas-y, ouais, j'ai vu, t'étais en train... Ah ouais, ça y est, les mecs, le fil au fourneau. Je vais les servir pour la table 2. C'est pour la 12. Il veut ou pas? Non, attends, on a cuisiné des ramen. C'est pas ça qu'il veut, gros. J'ai un retour client, là. Rien de tel pour me foutre en pétard. Ah, c'est Mehdi qui veut un ramen. Les sushis pour la 12. Pour la 12, les sushis. Yubia, tu t'amènes ça en terrasse? Tu l'avais en terrasse ou au bar? En terrasse, c'est un peu plus cher, mon cochon. Il y a trop de commandes, là. Attendez, les mecs, il y a trop de commandes, là. Qui m'a commandé des macarons? Mehdi, putain, Mehdi. Il a tout en faim, lui. Tiens, on va engager Galacta en tant que serveur, mais comment je fais? Serveur. Galacta, t'es serveur, là, non? Non, t'as embauché un serveur, mais c'est un PNJ. Bah merde. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, ça y est. Okay. Ils sont tranquilles, là. Regarde Bebop avec sa tête. C'est la maison qui régale, Bebop. C'est pour qui les ramène? À la table. Pour la 12. Sushi du tigre, que... c'est pour Bebop. Je te l'amène en terrasse, Bebop. Viens t'installer. C'est brûlé. On a un retour client, le fils. Peut acheter de nouveaux meubles. Ok, ouais, je voilà, t'ai promu. Comme ça, je vais utiliser mon argent pour. Ouais. Pour mettre des petites tables. Ouais. De toute façon, t'es pas mon employé. On est des associés. La famille Calvin est de retour en cuisine. Après avoir vendu des slips sur GTA. J'ai utilisé tout ton argent, je crois. En fait, c'est ton argent. Non, ouais, en fait, c'est mon argent, gros. Ouais. Je gagne de l'argent et c'est le tien que je dépense. La 12, la 15, qui a commandé? Laisse ma place, Rourou Rouge. Tu mangeras debout, ça te coûtera moins cher. T'inquiète. Bebop, il prend le dessert, le plat, l'entrée, il prend tout en même temps. Il a faim, mon gars, y'a que lui qui commande des plats ici. Ah, tu m'as coincé. Ah merde. Excuse. Je suis à la préparation des rouleaux sushi du tigre. Okay. Vas-y, je fais le service, je te laisse aux cuisines, je fais le service, ouais, là. Très bien. On va faire ça comme ça. Qui c'est qui a commandé ça, les mecs? Ah, c'est Yubia, il est au bar. C'est prêt? Ok, j'envoie. Il y a les ramen qui arrivent. T'as, c'est cauchemar en cuisine, mon gars. On dirait un après mauvaise fête de Bayonne. Tu vois ce que je veux dire? Jola, je t'envoie une demande d'amis. Tu pourras accepter, s'il te plaît. Je vais accepter les demandes d'amis de tout le monde, les mecs. Hein, y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, si vous voulez participer aux prochains épisodes, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit retweet sur la vidéo sur Twitter. Ça fait toujours plaisir, les mecs. Hein. On a une voiture qui est coincée, la fille, là. On a un problème. On je débarrasse. Oh, on nous a laissé un pourboire. Mochi. Il y a une dame à la porte. Ça a emporté. Non, c'est pas pour. Et à la terrasse, il y a toujours les mêmes à la terrasse. Hein. Y a toujours Bebop à la terrasse et son pote. Par contre, la dame Crab. À la porte, elle veut une table. Lui, servir une table. Oui. Allez-y, ma petite dame, c'est pour une personne. Vous avez la table 2, vous allez très bien ici. Je veux t'aider vite le sein. Faut que je donne mon sein à Bebop. Tête ah, ça, attention, ça coûte cher. De... C'est un plat de renommée. Ils ont tout le temps faim, Bebop et Crab là. Ils ont tout le temps faim. Mon vieux. Et va falloir payer les mecs. Ils me payent pas. Je te jure, les seuls argent que j'ai, c'est... Ah, mais non, mais c'est parce que c'est pas des vrais clients, c'est des joueurs de la partie. Ah ouais, non. Bah, va falloir dégager, les mecs, hein. C'est pas gratuit, ici. C'est pour ça qu'on avance pas, gros, en fait. On est en train de servir des joueurs, là. Regarde, il a encore faim, gros, il a tout le temps faim. Comment qu'elle est stock, mon vieux? Comme on a faim, MDR, regarde-les. Regarde-les, tous ces crèves la dalle, là. Un Mochi, ça part. La 12, un Mochi. Tu sais quand on l'appelait à l'époque Zafire, on l'appelait Tutorial. Tutorial. Mais qu'est-ce qu'il veut, le petit chevalier? Tutorial. Tutorial. Nine. Lui, il est toujours sur le qui-vive. On l'appelait Tutorial à l'époque. Il connaissait tout Roblox. Il est né dans Roblox, il a baigné dans Roblox. Très très fort, Xafire. Hein. Très bon abonné aussi, Xafire. Hein. Xafire, par contre, t'es pas payé à rien faire. Bah, d'ailleurs, t'es pas payé tout court, mais tu feras pas rien quand même. Tu vas bosser quand même. Voilà, tu feras pas rien quand même. Ouais, mais Xafire, il chôme complètement. C'est clair. Il est venu en touriste, quoi. Bah ouais, mais en même temps, tu regardes les gens, donc faut pas les regarder. Faut les servir.
Tu veux pas, oui, quand on veut, on peut, Xafire. C'est bon, les mecs. On a embauché tutoriel, ça y est. Il nous faudra encore quelqu'un d'autre pour accueillir les clients. Xafire, tu vas faire ça aussi. Ouais, tu vas accueillir les clients. T'es promu, Raph. Ok, ensuite, voilà, tu peux servir les clients, Raph. Allez, hein, c'est parti en cuisine. Zénith, c'est bon, t'es promu. En cuisine, Zénith. Allez, allez, les mecs. Ah, t'as rajouté une petite plante. Ah, t'as repeint en rose. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La déco, ça pète, hein. Waouh. Il nous faut de la cuisine, il nous faut des serveurs. Moi, je prends ta bagnole, Raph. Je vais aller faire un petit tour, vite fait. Attends, je peux pas conduire. Ouais, mais dis, t'es promu. Pas me dire ce que t'en penses. Ah ouais, magnifique. Magnifique la décoration. Et hey, Luffy, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher. Bah, je vais aller me baigner, tout simplement. Bah, écoute, je viens me baigner pendant que tout le monde travaille. Je vais aller chercher l'inspiration sur le bord de la plage. Je vais peut-être avoir une inspiration coquillage et crustacé, tu vois. C'est toujours aussi pété, Roblox, hein, mon vieux. C'est quoi, ouais, j'avais oublié que tu pouvais pas nager dans le jeu. T'inquiète. Ah oui, on va jusqu'à l'île d'en face. C'est de la plongée sous-marine. Bonjour, je n'ai toujours pas eu ma paye. Est-ce normal? C'est normal, Xafire. C'est normal. Ici, on travaille pour la gloire. La passion avant tout, monsieur. On n'est pas là pour l'argent. Passionné par la restauration, et bah fais ta passion. Attends, ça touche ici, il cherche du boulot. Il y a du travail. Il y en a du travail. Attends, il y a du travail, t'inquiète. Allez, à tout. Les serveurs, les mecs. Serveurs, serveurs. ZFR, tu veux du travail? Raph, qu'est-ce que tu fais? Et la cuisine? Et les ramen? Et vont se servir tout seuls, peut-être? Les clients? Moi, je croyais que c'était ta passion, la restauration. Ah ouais, 600 balles pour agrandir, les mecs. Allez, va falloir charbonner les. Allez, les mecs. Faut charbonner. Charbonner. Par contre, t'achètes pas trop de tables, hein, tu vois. Faut charbonner. Ah, bah, si, faut acheter des tables. Ouais. D'ailleurs, je vais acheter des tables. J'en ai acheté deux. Voilà. Voilà, une table de 4, les mecs. Une table de 4. Pots de fleurs. La porte, on peut quand même la vendre à 70 balles. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une porte d'entrée? Non, revends la porte, revends la porte d'entrée. Voilà, c'est tout le temps ouvert ici, c'est jamais fermé de toute façon. Voilà, on va faire de la renta là. Voilà, nickel, renta à fond les mecs. Hein. On optimise la place. 8 chaises, ouais, on peut. Ouais. Il y a des inconnus, on mange ensemble et tout. Ouais. Vas-y, terrain agrandi. C'est tout. 600 balles pour ça. Mais de ouf. Et encore, le prochain agrandissement, il coûte 1200. Oh là là. Bon, on peut mettre quelques chaises. Mehdi, je te vois pas beaucoup servir, Mehdi. Regarde, Xafire, il court partout, il prend les bons. Zénith, pareil, il court partout. Ah, il est en cuisine, Mehdi, il est en cuisine. Raph, il est derrière les fourneaux. Ah, bah bien, Luffy, nickel, ça. Ah, yes, nickel. Ah, là, ça va commencer à parler, les mecs. Regardez, on a un étage, là. Table de 4, les mecs, je les installe. Table de 8, c'est bon ça. Regarde-moi ces 8 inconnus qui mangent ensemble. C'est 8 inconnus qui mangent ensemble. Je sais pas si ça suit, hein. Il y a beaucoup de commandes là. Vas-y, moi je prends les bons là. Il y a le frigo là. Pourquoi on peut rien faire avec le frigo? Je sais pas. Eh, il y a trop de bons de commandes là. La cuisine, ça suit ou pas? Faudra agrandir la cuisine. Faut l'agrandir. J'ai acheté un plateau de service. Ouais, voilà, tu vois, regarde, Xafire, il a un plateau. Ah, tu vois, je prends soin de mes employés, moi, Xafire. Ou plutôt de mes passionnés. Par contre, qui a garé sa voiture devant le restaurant comme ça, là, les mecs, là? Il y a un parking là-bas. Hein. Mais faut des nouveaux fourneaux. C'est surtout des nouveaux fourneaux qu'il faut. Bah, j'ai rajouté une plaque. Il faudra un nouveau. Putain, je suis vraiment le chef des travaux finis, moi. Faut que tu fermes le. Voilà. Putain, mon gars, j'ai fermé le restaurant. C'est pas grave, les mecs. Et comme dit toujours Philippe Etchebest, pour la première fois dans cette émission, je vais devoir arrêter le service. Alors qu'en vrai, il arrête le service à toutes les émissions. C'est bon, on attend quoi là, Violette? On attend quoi? À 2 secondes. 2 secondes, ouais, 2 secondes. On est plus à 2 secondes près de toute façon. Hein. Tout le monde en place, ça va arriver. Raph en cuisine. ZFR. Où tu veux. Voilà, ça arrive, les mecs. Ça arrive, on place les clients. Ça va arriver en masse, hein. Voilà, regarde le haut-parleur. On dirait un videur. Il est à l'entrée. Dis-toi, tu rentres. Toi, tu rentres pas. Qu'est-ce qu'il fait, Foxy? Il est coincé, là. Il est coincé. Je sais pas ce qu'il fait, mon vieux. Il est complètement coincé. Jafire, au fourneau. Les haut-parleurs, il installe. Il installe les clients, tranquille. Moi, je suis chef des travaux finis. Moi, je vais à la plage. Allez-y, les mecs. Je vais faire un tour à la plage. Je vais aller me baigner. C'est bon, mon restaurant il avance bien. Ouais, ça s'agite bien là-bas. Et ben voilà, les mecs. On est bien ici là. Pour que le restaurant ça s'agite et tout. Et pour la première fois dans cette émission, je vais enfin pouvoir aller me baigner. Alors là, c'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être.
j'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales, je comprends absolument rien, j'ai froid, en plus c'est inadmissible. Alors je vais m'habiller, je vais retourner à la réception, il faut qu'il me donne une bonne explication.